Les relations sino-américaines pour commencer. Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi en visite aux États-Unis s'est entretenu avec le président américain Barack Obama à la Maison-Blanche lors de son troisième et dernier jour à Washington. Wang Yi a eu une chance rare d'intervenir longuement dans un groupe de discussion à Washington sur les relations Chine-États-Unis. Les 3 jours de visite du ministre chinois des Affaires étrangères ont donné le ton aux relations Chine-États-Unis. Adressé à un groupe de discussion à Washington, le discours de Wang Yi a dissipé le doute sur le ralentissement de l'économie chinoise. Nous avons entendu beaucoup d'inquiétudes sur le développement économique de la Chine. J'ai envie de dire à nos amis que l'économie de la Chine ne s'oriente pas vers un atterrissage difficile. La Chine continue sa politique d'ouverture et ses réformes économiques. Monsieur Wang a souligné que la rapide croissance économique de ces dernières décennies a sorti 600 millions de personnes de la pauvreté et a placé la Chine au rang de seconde économie mondiale. Il a déclaré que la Chine continuera ses réformes structurelles et l'économie deviendra plus saine, plus verte et plus durable. Le ministre des Affaires étrangères a ajouté que la diplomatie de la Chine est une extension de ses affaires domestiques, en particulier au niveau du développement. La mission la plus importante est de travailler avec davantage de pays pour promouvoir l'initiative d'une ceinture, une route. Elle préserve également les intérêts à l'étranger et les intérêts des ressortissants chinois et des entreprises à l'étranger. Wang Yi a également déclaré que la Chine jouera un rôle plus actif dans le règlement des différends internationaux. Il a souligné que la Chine et les États-Unis ne sont pas des concurrents. Il a souligné que la confiance mutuelle est la solution. L'objectif est de bâtir un nouveau modèle de relations entre la Chine et les États-Unis et de nourrir les relations gagnant-gagnant. Et je pense qu'il s'agit d'une bonne voie. Nous travaillons avec les États-Unis dans cette direction pour approfondir l'entente mutuelle, améliorer le dialogue et renforcer les liens. Selon Wang Yi, les intérêts communs sont bien plus importants que les différends. Il a déclaré qu'une relation solide entre la Chine et les États-Unis sera bénéfique non seulement aux deux peuples, mais également pour les pays du monde entier au sens large.